Là, c'est super condition. Hein. Ça doit faire à peu près 50 degrés sur 700 mètres. C'est un long couloir qu'on voit vraiment bien quand on fait la vallée blanche. Donc c'est vrai que c'est particulier au Gervas, c'est que tu montes pas dedans. Tu montes par la voie normale du TQ ou le triangle et tu redescends ce qu'on appelle à vue. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la neige que tu vas trouver. Et c'est assez historique parce que ça a été fait en 1968 par Sylvain Saudan. C'était, je pense, dans les premières pentes raides qui a été fait à ski. Le ski alpinisme, pour moi, c'est vraiment une facette de l'alpinisme. Et au GMHM, au groupe, on pratique toutes les facettes de l'alpinisme. Et on va retrouver de la lecture d'itinéraire, vachement de choix, des conditions, quand c'est qu'on va aller, dans tel endroit, telle orientation. Et puis, tu as aussi un peu d'engagement quand tu skis. Et puis, ce qui est chouette, c'est que tu as quand même le plaisir de la descente. C'est beaucoup moins laborieux que de descendre à pied. Pour moi, une pente raide, c'est à partir de là où tu peux plus trop tomber, quoi. Si tu tombes, tu risques de tomber jusqu'en bas, te faire vraiment mal ou pas t'arrêter du tout, quoi. Ouais, mais techniquement, en fait, c'est assez basique, hein. Tu fais des virages sautés. Une fois que tu as compris comment tourner à gauche et à droite, c'est une succession de virages sautés. Un virage à droite, je réfléchis, je respire, je me calme, je vais descendre les pulsations. Un virage à gauche, et ainsi de suite. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est un virage que j'ai déjà fait des milliards de fois, ben là il faut pas que je le rate quoi, il faut que je le fasse au bon moment, le geste parfait. Il a neigé un peu pendant la nuit, donc il y avait 5 cm de neige fraîche sur un fond qui était lisse et dur. Du coup c'était hyper agréable, hyper rassurant. Mais ça reste quand même raide, l'entrée du couloir c'est vraiment à 50 degrés et c'est hyper impressionnant. C'est un grand toboggan. Quand tu es au sommet du couloir, ben, tu vois la Rimet qui est 700 mètres plus bas. Et du coup, je pense que si tu te la colles, si tu tombes dans les premiers virages, ça peut vraiment mal se passer. T'apprends vachement sur toi. Et après, tu peux déplacer ce curseur de « je me connais mieux, je peux aller plus loin dans l'engagement, dans ma gestion de la peur, et pour faire des choses plus rapides, meilleures, plus efficaces en opérationnel. »